Oh! Salut à tous! Oh! Bienvenue dans la vidéo! Oh! Regardez! Serveur à 150! Des serveurs à 150! Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo, etc, etc. Mais là j'ai la hype! Regardez mon visage! Là, ça, c'est la hype! Voilà! Donc, bon, écoutez, là, j'ai lancé comme ça le jeu. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il n'y a pas de nouveautés? Parce que j'ai quand même une mise à jour de 5 Go octets. Donc, on va se faire un petit gameplay Metria, parce que j'avais bien aimé. Et on va voir un peu ce qu'il y a, là. Défense, plus, moins de speed, plus de speed. D'accord, en plus c'est le plus stylé celui-là. Bon, on va prendre celui-là. Bon, on le connaît déjà. Hein. On le connaît déjà, mais c'est pour voir un petit peu les serveurs avec plus de monde. Est-ce que je pourrais pas faire des missions, peut-être, focus player, ok. Les missions, à quoi ça peut servir, on va essayer. Hein. On va essayer de se faire ça, on va essayer de faire un petit peu de gameplay, tout simplement. Voir comme c'est loin, quoi. Ok. C'est abusé, là. Pourquoi c'est si loin? C'est des malades. Alors, il y a une petite mise à jour. À ce qui paraît, ils ont amélioré la caméra. Je sais pas trop quoi. Ils ont corrigé des bugs aussi, visiblement. Bon, ils ont fait quand même pas mal de petits trucs. Voilà. À ce qui paraît, ils ont fait pas mal de petits trucs. Mais c'est pas des gros ajouts. C'est du petit changement. Hein. C'est du petit changement. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus. Là, ce qu'on va faire, c'est que... Non, mais tu es sérieux, le serveur restart? En fait, voilà, j'aimerais bien voir si on fait plein de missions, ce que ça donne. Parce que j'en ai jamais fait. Non, le serveur restart. Vas-y. Vas-y. Ok, bon, ben voilà, je suis revenu sur le serveur, je me suis un peu avancé quand même, je suis à côté de l'objectif de The Crook, trouver The Crook, donc c'est pas mal. On est sur un nouveau serveur, liste des joueurs, 75 joueurs online, donc on est bien quand même, c'est beaucoup plus que d'habitude. On enlève ce bouton et on va réaliser notre premier objectif et on va voir ce que ça donne. Je vais avoir de l'or, toujours de l'or, pour ceux qui aiment l'or. Moi je l'ai réalisé, ok. What? Et ça, c'est l'objectif supplémentaire. Forage for nuts and mushroom. Collecter 50 acrons, 50 litchi, 35 amanita. Les gars, vous croyez pas que c'est un peu trop, là? Quoi, cette mission éclatée, là? Je suis un carnivore, genre. Je vais pas collecter des champignons. Et surtout, autant. Bon, ok, bon, la mission, là, elle est pas terrible, quand même. Là, vraiment, je tiens à dire... Ça serait plus sympathique, des trucs un peu plus interactifs en fait, avec les autres joueurs. Je vous dis, c'est la première fois que j'en fais, donc on va quand même checker, voir ce que ça fait. Alors, c'est où qu'on quête? Ah non, on va pas suivre, trop nul. Rafraîchir, vas-y. 500, ah ouais, 500 d'or. Ouais, mais c'est trop nul. Are you sure? Ouais, je veux reset ma quête. Trouver the dome. Voilà, bon, pour prendre 50 quoi. Ça m'a coûté 10? T'es sérieux? Succès, achievement, locked. J'essaie de découvrir un peu, hein. Mais y'a quoi là? What? Comment on fait pour partir d'ici? Y'a un truc qui courait là, non? ?100% j'ai vu un truc courir. Peut-être que c'était un papillon, je sais pas. Et du coup, après, je sais pas comment on fait pour dépenser l'or qu'on gagne. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Les quêtes, ouais, bon. C'est pas mal, après elle pourrait être un peu plus poussée parce que là, trouver The Dome ou collecter des champignons, ouais, ok. Mais bon, c'est pas non plus incroyable comme quête. Hein. Ça serait bien, je sais pas, qu'il y ait des trucs qui nous fassent faire des interactions avec d'autres joueurs. J'entends un bruit là. J'ai entendu un son, 100%. Ouais, il y a un truc comme ça, là. Ouais, mais ça, c'est énervé, hein. Ça, c'est giga énervé comme dinosaure. Je pense pas que je peux le gagner avec le Metria. Ok, est-ce que je cours plus vite que lui?
Ok, pas mal. Ok, je peux le tomber, hein. Si je continue comme ça, je peux le tomber. Vas-y, empoisonné, bro. Ass riding. Non, pas ça. Ouah, tu m'as arraché la tronche. C'est dur comme ça, là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux te battre à un endroit où il y a un arbre? C'est quoi, il y a d'autres trucs qui courent? Est-ce que je l'ai fait mal? J'en sais rien. En tout cas, moi, il m'a fait mal, hein. Oui, il m'a fait super mal, il y a plein de trucs qui courent là. Ah, il y a des Sarcosuchus. What? Bah, vas-y, je m'éloigne. Toi qui gueule. Il y a bagarre ici là. Ouais, c'est Sarco. Oh, c'est quoi ça? C'est un. Oh, il court super vite, c'est un iguanodon. Ah, oui, c'est vrai qu'il a des coups de queue. J'avais zappé. Ouais, c'est dur, hein. Du coup, voilà, c'est très dur quand on est un petit dinosaure maintenant d'attaquer les gros. Parce que là, pour attaquer vraiment le bon endroit. Ah ouais, et puis il court plus vite que moi, c'est vrai. Hop là. Ah, il faut être en groupe avec le Maitria. Faut clairement être en groupe. Tout seul, c'est hyper dur. Yo! Yo les reys! Bon. Bah, du coup, on est plusieurs. On va pouvoir chasser un truc, les gars, là, non? Moi j'aimerais bien me faire un styraco. Ah mais on est plein. Yo les gros, salut. Salut, bah c'est sympa là, tous ensemble. Bah du coup comme je vous l'avais dit, les petits dinosaures ils ont clairement été nerfés, hein. Ils sont beaucoup moins forts qu'avant à cause des coups de queue et tout ça qu'on peut se prendre dans la tronche. Y'a là. Venez. Ah, toi t'es un fou, viens, on va le bouffer. Ouais, vas-y, mais me colle pas. Vas-y, on l'a pris en chasse. Par contre, fais gaffe, il court plus vite que nous. What? C'est ouf. Il est où? C'est un iguanodon. Le truc qui est derrière moi, là. Bah, par contre, c'est trop dur, il court plus vite que nous. Par contre, il a moins de stam. Allez les gars, on se le tombe ce iguanodon là. Il est passé où? Yes les gars! Ça c'est beau ça. La belle scène de chasse. Voilà, nickel ça. Il nous fait quoi l'iguanodon là? Par contre faites gaffe, il met des coups de queue les gars. J'ai envie de lui sauter dessus, mais si je saute dessus je risque de mourir et on va perdre la scène. Il met des coups de queue et il mord et il court plus vite que nous. Ouais, il a croqué à la gorge. Il y a des points sensibles dans le jeu, donc là il a dû lui faire très mal. Allez, attaquez pour moi. Voilà, l'iguanodon, on le défonce. Voilà, je t'ai mordu la queue, mon pote. Elle est tellement dans la sauce, le mec. Mais c'est stylé. J'ai envie d'essayer de sauter, mais je sais pas s'il peut moins de shot, je pense. Il y en a un qui est trop dans le mal. Ah, mais c'est un fou, c'est... Il est pas bien, hein. Voir toi le machin noir là. Non, je vais mourir juste moi quoi. C'est terrible, je vous le dis ça, c'est terrible. Ah, c'était trop bien comme scène, je suis désolé, hein. Je suis désolé là pour ceux qui auront de la vidéo, j'aurais pas dû y aller, mais je suis trop agressif. Ah, je suis deg, j'aurais pas dû y aller, c'était trop bien comme scène. Mais je voulais croquer, je voulais participer à la fête, hein, moi aussi.
Il n'y a pas de raison. Ah, le fait de faire des vidéos, bah, parfois, il faut peut-être, se calmer, quoi. Et du coup, important, je vais profiter de ce chemin retour pour aller retrouver mes potes, pour vous parler de la chaîne YouTube et de choses qui se passent dessus en ce moment. Donc, il n'y a pas eu de vidéo, là, récemment, il n'y en a pas beaucoup, parce que je prépare une grosse série sur Ark PVP. Pour ceux qui ont vu l'annonce, pour ceux qui aiment Ark, franchement, je pense que vous allez vous régaler. Nous, en tout cas, vraiment, on s'est régalé à la tournée. C'est fini. La série est terminée. On a fini de tout enregistrer. Voilà, ça s'est bien passé. Il y a plein de trucs qui se passent. Tout le monde s'allie contre nous. Enfin, c'est vraiment une très très belle série, je pense. Et j'en suis très content, en tout cas, de ce qui s'est passé. C'était un régal. Donc, pour ceux qui aiment Ark, allez-y. Ensuite, autre chose de très 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 important que je suis en train de mettre en place sur la chaîne. Donc, pour ceux qui veulent y participer, bah écoutez, ça me fera vraiment plaisir et ça soutiendra la chaîne de façon gigantesque, je pense. Ce que je suis en train de faire, c'est lancer un compte Tipeee, voilà, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Donc du coup, ça apparaît là-haut, voilà, à peu près, par là-haut, par là, je pense. Et du coup, donc, je lance une campagne Tipeee. Donc pour ceux que ça intéresse et qui veulent soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez le faire. Alors il y a des petits trucs comme ça, rigolos, que je vous propose en échange, voilà, de votre participation à la campagne Tipeee, ce qui, pour moi, est quand même à peu près normal d'avoir un petit retour. Du coup, je tiens aussi à vous dire que je serai totalement transparent avec vous sur l'argent récolté. S'il y en a, ouais, ça serait quand même plutôt pas mal. Sinon, ça serait un peu triste, j'ai envie de dire. Et l'argent réinvesti dans la chaîne, ce que j'en fais pour acheter des jeux, pour acheter du matériel. Par exemple, voilà, est-ce qu'on le voit? Ce micro, voilà, ce micro, ce bon micro qui peut faire des trucs de fou, t'es acheté grâce aux dons, en majorité, pendant les lives. Donc, je vais le remettre au bon endroit quand même. Donc voilà, je tiens à vous dire ça, et on clôt la parenthèse, c'était très important pour moi. Pour résumer, une campagne Tipeee s'ouvre, une série Ark, j'espère que vous serez nombreux, parce que moi j'ai vraiment kiffé. Sinon aussi, dernier petit truc, j'ai bientôt la fibre. Alors je sais pas, j'espère, on croise les doigts, on touche du bois, on fait ce qu'on peut. J'ai bientôt la fibre, enfin, et je vais pouvoir refaire des lives. C'est pour ça que j'en fais pas, hein, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai pas envie de faire des lives de piètre qualité. J'essaie de faire la meilleure qualité possible, donc pour les lives c'est la même chose. Parenthèse fermée, ça a été long je crois cette parenthèse, mais on retourne au gameplay. De retrouver les potes qu'on ne retrouvera certainement jamais, mais c'est pas grave. Y'a le pote, yo frérot. T'es là encore? Moi je suis mort, c'est je suis le boulet qui s'est jeté sur le machin là. Je suis le gros boulet qui s'est jeté au milieu de l'eau et qui s'est fait tuer. Ah, vous êtes encore là les potes. Ah, c'est cool, vous m'avez attendu, c'est gentil ça. Bah on fait quoi là? On va buter un autre truc? Vous l'avez eu finalement ou vous l'avez pas eu? Dites-moi tout. Dites-moi tout les gros. Ah, je te reconnais toi. Je suis là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Y'a quoi, y'a quoi? Y'a un bruit? Ah, vous l'avez eu ici. Ben GG les gars. Ah, un gros GG à vous, hein. Gros GG, putain, désolé, moi j'ai vraiment fait n'importe quoi. Hein. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Il y a un cri là, non? Il y a un petit cri. Y'a un bruit là-bas. Vite, vite, vite. J'arrive, je suis désolé, c'est moi qui vous ai abandonné en fait. Désolé frère, je t'ai croqué. Voilà. Voilà, empoisonné le conca. Désolé, je t'ai croqué frère. Bon, go manger un coup là. Ah mais vous êtes des fous, vous voulez attaquer ça là pour de vrai? Eh moi je vous laisse faire cette fois-ci, je vous regarde. Allez-y, battez-vous les gars. Battez-vous pour moi. Moi j'y vais pas, je vais encore mourir. Je suis trop impulsif. Pousse-toi! Mais qui les cons? Voilà, bien, bien ça, je prends encore les coups pour vous. What? Il va se faire croquer l'autre. Reviens, reviens. C'est bien Victor, c'est bien. Il m'a pas fait trop mal le Sarko, hein. Vous voyez, ça c'est les points faibles, parce que là il m'a tapé à un endroit où c'était pas trop mal. Il m'a juste arraché la moitié de la jambe, ça. Hein. Je l'ai touché, les gars. Protégez-moi s'il revient, voilà. Comme ça, c'est bien. Ouais, c'est un malade, il a sauté dans l'eau, bah il est foutu lui. Je peux rien faire, gros, t'es foutu, t'es un malade, et ouais. Oh, y'a un autre Sarko.
Oh les bâtards. Franchement c'est trop chaud les gars les sarcos hein. Vous voulez pas essayer de faire autre chose? Ouais il le bouffe, il bouffe notre pote là. C'est terrible. Ah y'a un croco, y'a un croco sur la plage. Y'a un croco sur la plage, venez on le fume. Je peux plus courir. Y'a l'autre qui est sorti du coup, le schlag. Et y'a le conca qui attaque. Y'a le conca qui attaque le bâtard. Ouais c'est le bordel. Ouah il m'a fait trop mal, non. Adieu. Comment ça il m'a fait si mal? What? Comment ça il m'a fait si mal? Genre il m'a mordu le cul. Ah c'est terrible. Bon c'est un peu du Battle Royale, mais il y a quand même un gameplay un peu RP. Je peux essayer de faire une embuscade. Une embuscade de ouf, là je suis caché. Je peux essayer de l'attaquer par derrière. Ou s'il se rapproche de moi, je peux essayer de le bouffer. Je peux essayer de le bouffer. Mais toujours pareil, les sarcos là, vraiment qui m'embêtent. Et il y a d'autres maîtrias, visiblement, qui sont revenus aussi. Hein. Regardez le concavenator. Le concavenator, il mord que quand... Que quand les autres ils sont coincés à cause des sarcos quoi. Donc là il va le ramener vers moi là, là c'est vraiment pas mal. Ah non il la ramène pas. Et là j'attaque. Et là j'attaque, je lui cours après jusqu'à le tuer. Il est où? Il est là. Salut, je te reconnais. Voilà. T'es foutu. Ouais, je t'ai croqué toi, désolé, j'ai du ping. Dans la tête aussi. Hein. Allez, bouffez-le. Voilà. Il te donne à lui, là. Ouah, wow, t'es tiré comme un bourrin, toi. Il y a un autre sarco qui arrive, les gars. Ouais, mais je vais encore mourir. 100% je vais mourir. Vas-y, arrache-le, arrache-le. Eh, les cailloux qui te bloquent par contre, c'est trop. Hein. Ouah, attends, je suis passé devant, mais je cours plus. J'ai trop du mal, là. Par contre, je me remets du saignement très très vite. Il y a un truc qui est en crouche là-bas, gros. Hein. Je vais aller checker, je vais aller checker. C'est quoi, ça? T'es mort. À l'aide. Au secours! J'ai une merde qui me suit! Bouffe-le! C'est vraiment le bordel ce jeu quand même. Je l'ai enfin croqué! Allez! Ça dégage le petit truc là! Lui par contre là-bas est... Il est la merde. Ouais j'essaie de t'aider, j'essaie de t'aider. Ah tu vas dans l'eau genre pour... te soigner, c'était bien toi. C'est fair play. Yeah GG. Ça c'est beau ça. Je me casse avec un morceau de viande les gars, parce que franchement j'ai bien mérité mine de rien, j'en ai pris plein la tronche. Ok bon, on va s'arrêter là, parce que c'est infini en fin de compte, c'est infini. On a fait quelques petites scènes RP, notamment la chasse contre l'iguanodon, qui était magnifique je trouve dans le lac, acculé dans le lac, entouré de maîtrias, c'était super beau.
Dommage que j'ai fait un peu de la merde à ce moment-là, mais bon, ça peut arriver, j'ai eu un pet au casque, ça arrive. Bah sinon, j'espère que la série Arc vous hype autant qu'elle m'a hypé à la tournée. Vraiment, c'était un régal, j'espère que vous serez nombreux à la regarder. Et aussi, hein, vraiment, on ne sait jamais, que vous serez aussi nombreux à participer à la campagne Tipeee. Ça me ferait un grand plaisir et ça donnerait un grand bol d'air à la chaîne. Donc tout ce que j'ai à vous dire pour conclure cette vidéo, c'est, ben, si vous avez kiffé, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et sinon, c'est tout pour moi. Tchuss tout le monde.